Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors je vous prends en très 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 rapidement parce que je vais bientôt aller bosser. Il est actuellement 11h49 déjà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on est samedi le 30 mai je crois. Je ne suis toujours pas préparée comme vous pouvez le voir. J'ai la peau complètement nue, j'ai les yeux complètement éclatés. Hier je me suis couchée à 23h, on s'est levé à 10h30. Genre on était crevés hier, vraiment crevés. Donc là ce qu'on a fait depuis 15 minutes. Ce matin on a vraiment pris le temps et tout pour prendre notre petit déj, regarder des petites vidéos et tout. Et on a ensuite dégagé tout ce qu'il y avait dans le bureau pour le mettre ici pour l'instant. On va mettre les Billy juste là. Donc on va déplacer ces deux meubles là, on va les mettre là-bas. Et voilà quoi ça ressemble, mon ami. On a déplacé les affaires ici. On va tout bouger quoi. Donc on va enlever tous les livres pour les déplacer. Et ensuite on va monter les 40. Les 40 et mettre le piano. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc il y a un petit écart avec le mur. Mais bon, personnellement ça me choque pas. Donc voilà ce que ça donne, on va mettre les livres à l'intérieur, donc en fait on les met comme ça, et on essaie de se souvenir comment c'était. Et puis là on va mettre le 40, le piano, et ensuite après le 40. Voilà, moi je me suis préparée pendant que monsieur est en train de regarder ce meuble là. Donc c'est le meuble Billy de 40. Bon, on n'a pas mis beaucoup de temps à monter ça, donc c'est assez rapide hein, les Billy à monter, on a mis genre une demi-heure même pas. Donc moi je me suis maquillée vite fait, j'ai fait un petit trait d'eyeliner avec un fard à paupières marron. Et j'ai rien fait sur le teint, j'ai essayé de garder ma peau libre. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes yeux. Ça me manque de pas faire ma bouche, genre c'est ouf. De mettre un petit rouge à lèvres et tout. Donc je vais aller à Truff-Truff. Je finis à 18h, donc 18h30 je serai là. Je crois qu'il y a tes parents qui viennent. Ils viennent cet après-midi pour aider Mister. Donc voilà, on se retrouve ce soir. Si tu veux vlogger bébé aujourd'hui, tu peux hein. Bien sûr. Eh chiche. J'ai que ça à faire de vlogger. Allez, tu montres et tout. Bien sûr. Eh, je laisse ma caméra à mon copain. Allez, on verra s'il va filmer quelque chose. Si je filme, tu vas te foutre de ma gueule. Il va... Non, je ne veux pas me foutre de ta gueule. Soyez indulgent, hein, vous aussi, hein, ne foutez pas de sa gueule. Toi qui voulais faire une chaîne Twitch, bah voilà. Twitch, c'est pas YouTube. Eh ben, c'est pas grave. Entraîne-toi. Bon, il est 20h, pardon. Il est 20h10. Il y a Mister Pandapi qui a mal mis la première planche. Donc on va devoir mettre de la peinture ou un champ. Et le deuxième a été réalisé parfaitement. Donc voilà, et on mettra le piano ici. Il y a mon beau-père et ma belle-mère qui sont là. Et qui ont mis donc toutes les billes se sont tout mis sur toutes les planches. Hein, ça va hein. Chico Tan, t'as vu ça prend pas de place hein. Ça va hein. Ça prend pas beaucoup de place. Mais comme c'est réglable. Mais comme c'est réglable, ça va arriver jusque là. Et ça va être à l'intérieur du meuble. Normalement, ça va être drôle les enfants. Allez, vos parents, ils nous ont bien aidés. Non. C'est moi qui fais tout seul. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est maman qui a fait le plus. Ouais, c'est belle maman qui a fait tout. Elle a mis toutes les vaisselles et tout. Chiquette, t'as aidé toi un peu? Oui, c'est bon. Non, franchement, je suis contente. Hein. J'aime bien. Mais ta soeur, elle avait pas des carrés là? Mais si, mais après, on va les... C'est les étagères. Là, il y avait des carrés. Là. C'est les étagères. En soi, ça va, ouais, il est ouais. Pas moche. Ouais, il est bien. Ça rend bien dans l'entrée. Ça ouais. Prend pas trop de place. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu mets une planche, dès que tu démarres un montage, elle est toujours à l'envers, la première planche. Donc à chaque fois, pour le futur le lit du bébé, bah oui, parce que on va acheter un lit. Le lit du quoi? Du bébé. Genre, je connais pas. C'est moi qui vais le monter, parce que si un truc à l'envers... T'as mon père, là. Il y a ton père qui est en train de décéder. J'espère que j'aurai la place pour mettre tes affaires. Pour mettre mes affaires? Attends, parce que tu sais que ma petite cagette noire là. Ouais. Bah il y a maintenant plus d'affaires à toi que des miennes. Bon, je pense qu'on n'a rien vlogué. T'avais rien vlogué avec la caméra? Non. Donc là nous sommes le lendemain. Donc je suis rentrée donc hier du boulot. Qu'est-ce que tu fais là sur la table? Dépêche-toi de descendre. Mon beau-père qui était à la maison avec ma belle-mère. De toute façon, je crois que vous l'avez déjà vu. Oui, vous l'avez déjà vu. Je suis rentrée de Truffaut vers 19h30, 19h40. Là, il est 21h15, on n'a toujours pas mangé. Et on vient de... Enfin, on est en train de finir de faire le dressing. La dernière vis. La dernière vis, voilà, enfin. On va pouvoir enfin mettre nos affaires, etc. Il y a pas mal de bordel dans l'appartement. J'avais tout rangé et tout. Elle a disparu, la dernière vis. Ah, bah, c'est le karma. Là c'est le bordel dans l'appartement, là il y a des cartons de partout, donc on va descendre ça aux encombrants. Et on aura fini le dressing, franchement je suis super contente parce que ça habille vachement le couloir et je pense que juste un meuble blanc ça n'aurait pas allé. Je suis vraiment contente de ce dressing là, donc c'est un dressing qui vient de chez Leroy Merlin, vous l'auriez vu je pense dans le précédent vlog je crois.
Faites pas attention à ma tête, hein, c'est une catastrophe. Là. Là, mes yeux sont cernés comme pas possible. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Ah oui, il y a mon copain aussi qui a monté les compléments aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de me déshabiller, genre même pas de me laver et tout. Je suis éclatée. Et demain, je travaille aussi. Alors... Il est tombé là, je sais pas où il est. Donc bref, demain on est le 1er juin, demain c'est férié, donc demain je travaille. Je vais travailler avec lui aussi, là. Avec cet individu qui perd les vis et qui met des planches à l'envers. Ah ouais, elle est dans le coin entre le mur et le truc. Elle est là. Coucou toi. Moi je la vois. Tu veux que je prenne un passant épilé? Donc voilà ce que ça donne. Oula. Donc au moins ça a aligné, etc. C'est ce que je voulais. J'ai acheté une tablette. Il manque plus que la grosse pour la mettre en haut. Et une autre petite pour la mettre ici. Donc là, on va tout mieux ranger, etc. Donc là, il a toute cette partie-là pour lui. Donc voilà ce qu'il donne. Déjà, les rideaux, ils sont bien. Je trouve qu'ils sont gris. Ils sont pas beige. Je les trouve jolis. Et donc là, c'est la première partie du dressing. Donc, dressing. Je suis contente. Donc on a trois compartiments de rangement. On a des tiroirs qui sont plutôt de bonne qualité. Ensuite, en fait, c'est un compartiment qui fait ça. Hop, hop, hop. Et en fait, ça, tu l'encastres dans ce compartiment là en fait, et c'est comme ça que tu peux ajuster. Si t'as un mur un peu plus long, bah ça tu le pousses et après donc t'auras plus de place dans cette partie là. Je sais pas si vous comprenez. C'est bien de la merde. Non, c'est bien. Les tringles, il faut les couper à la mort. Bah oui, c'est pas grave. Ça fait... Faites une pétition pour Ikea, la bande de filles. C'est pas Ikea, c'est le roi Merlin. Le roi Merlin Ikea. Là, c'est la deuxième partie du dressing, donc voilà, c'est la même chose en fait. Donc voilà, on est très content. On a mis les tringles là, la tringle en haut, et voilà. Les étagères, tu veux les laisser où elles sont? Ouais, elles sont bien. Parce que c'est comme sur le dessin. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est super. Je suis contente. On va pouvoir tout ranger et tout. Oh, c'est que je suis contente. Ça fait de la place. Ouais. Je vais faire une... Avec les compléments là-bas, machin. Moi, je vais pouvoir mettre mes affaires. Et là, l'appartement, c'est un mess total. Quoi? Oh my god. Là aussi. Oh, j'en ai ma tuquette. J'avais tout rangé. Non mais regardez-moi ce chat, comme il est beau. Voilà mon petit chat. Oh là 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 là. Il y en a une qui est sur ton petit truc. Ma tuquette. Là, il va y avoir une sieste très très longue. Montre-moi tes beaux yeux. Oh, c'est quoi ces beaux yeux? Je suis jalouse, hein. J'aurais voulu avoir les mêmes. Il est tellement doux. C'est un coton. C'est... Oh, trop trop beau ce chat. Hein mon chat? Oh, il y a un mode... Laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir. Bon, nous sommes le lendemain. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas changé de t-shirt. Hein. Je reviens de Truffaut. J'ai fini à 16h. Ensuite, je suis allée chez mes beaux-parents parce qu'ils devaient me donner des petites choses. J'ai attendu Mister. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut de la pâtée, je suppose. Bah oui. J'ai attendu mon copain qui est pour qu'il finisse à 18h. Il nous a rejoint chez ses parents. Et ensuite, on est parti. J'ai plein de basilic à la maison. Je suis trop contente. J'ai du basilic vert, fin vert, comme ça. J'en ai deux comme ça. J'ai du basilic comme ça. J'ai de la menthe qui est bien. Et j'ai du basilic aussi comme ça. Et là, t'as 6 boulettes de la menthe. Il y aura bientôt du basilic juste là. Donc ça pousse bien en fait. Hein. J'ai vu chez mes beaux-parents, ça poussait vachement bien. Alors nous, on n'a pas la lampe. On aura peut-être un jour la lampe. Mais ça pousse vachement bien. Je suis trop contente. Alors là, lui, il veut aller manger sa pâtée. Mais moi, je vais aller mettre les poubelles parce qu'il y a tout ça à mettre en poubelle. J'en ai marre que ça traîne à la maison. Donc au moins, ça sera ça de moi à faire demain. Un bisette. Qu'est-ce que tu veux? Regardez-les. Qu'est-ce que tu veux? Prince? Bichette? Tu veux quoi? Fatigue. On va y aller. Pipi? On y va? Bon, allez. Donc, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai assez montré de choses. Donc, dans les prochains vlogs, je vais vous montrer un peu comment ça va se faire au niveau du bureau, etc. On doit encore monter pas mal de meubles, comme vous pouvez le voir. On a monté même pas la moitié. Je vous montrerai ça dans les prochains vlogs, peut-être demain. Demain, on va peut-être monter des meubles, vu que demain, on est tous les deux là. Donc, on va faire ça. Donc, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.